Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Petite vidéo pour mon académie de coaching plein potentiel. Donc, si tu es un entrepreneur à ton compte spécialisé dans le domaine des thérapies manuelles, entre autres, ou de la santé, entraîneur, physio, masso, ostéo, etc., vous avez besoin de mes services pour vous aider à faire augmenter et décoller votre carrière. Ou carrément, si vous êtes employé puis vous voulez partir à votre compte ou vous faites les deux puis vous voulez que ça aille mieux, vous voulez être juste plus booké longtemps d'avance, etc. Je suis là pour ça. Aujourd'hui, je vous propose la loi, la nouvelle petite loi que je viens d'inventer, qui est la loi du 1 à 2 clics maximum, la loi du moindre effort ou la loi du client paresseux. Et quand je dis client paresseux, ça vous inclut vous aussi. J'invite souvent mes académiciens à regarder leur propre comportement. C'est quand la dernière fois que vous avez pris une carte d'affaires dans vos mains, que vous l'avez gardée. C'est rare. On est rendu qu'on rentre les téléphones, les contacts des téléphones. On va sur la page Facebook, on book les rendez-vous en ligne. Si vous n'avez pas ça, mon Dieu, c'est le temps. Ça fait longtemps que c'est commencé. Vous avez vu ma nouvelle association avec BizBook. Je suis l'ambassadrice pour la massothérapie et ça correspond tellement, mais tellement à ça. Allez voir les lives sur Facebook, sur Instagram, mais tout se retrouve sur ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver. Donc, vous allez sur YouTube, vous écrivez massothérapie sportive Marc-Claude Légaré, vous allez trouver ma chaîne, abonnez-vous, activez les notifications, vous n'allez rien manquer. Donc voilà, la loi du 1 à 2 clics maximum, c'est en fait que faut pas que ça soit long à vous trouver. Si vous dites au monde, ah, va voir ma page Facebook, faut qu'il embarque sur Facebook, faut qu'il est dans le moteur de recherche, faut qu'il tape votre nom, faut qu'il trouve la bonne page, puis qu'il tombe pas sur votre profil personnel si vous avez votre nom à l'intérieur de votre business comme moi, exemple Marc-Claude Légaré, faut qu'il la trouve, faut qu'il like. Faut qu'ils retrouvent donc qu'ils descendent le scroll, l'actualité, c'est long. Même chose sur Instagram, trouve-moi, puis là, vous avez pas le nom parfait avec le petit underscore, le bar, le combien de chiffres, etc. Donc, le lien direct. Quand vous envoyez un exercice à vos clients, un truc ergonomique pour l'ordinateur, un petit exercice pour le gym, un étirement pour le cou raide, ces choses-là. Si vous dites retrouvez sur ma chaîne, puis là va voir, puis là Google ça, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que vous allez le faire? Non, c'est un ou deux clics. Donc il faut qu'il y ait un lien direct, il faut que ça soit facile à trouver, il faut qu'ils veulent Facebook, pèse le piton, oup, ça arrive direct sur votre page Instagram, YouTube, votre site web, ça devrait pas aussi être très compliqué. Donc ceci étant dit, essayez de prendre conscience d'être le plus rapide, facile, efficace avec vos clients, de donner un lien direct ou la mode dans le temps des Linktree où en fait tu donnes une adresse puis toutes tes coordonnées se retrouvent à cet endroit-là. Tout le monde est au courant de ça, tout le monde l'a déjà vu. Ben justement là, spécialisé avec tout ça, il y a, puis c'est pas une vidéo pour BizBook là, sinon Stéphanie serait avec moi, mais c'est juste que ça vient tellement compléter ce que je veux vous dire de la loi. Puis je vais en parler souvent, donc je vous l'inculque maintenant, la loi du 1 ou 2 clics, le client paresseux, puis la loi du moindre effort. Sur Internet, on est tellement sollicité de partout. Vous voyez une annonce, vous pèsez sur un clic, poup, ça vous amène sur Amazon, sur des boutiques de vêtements, ils vous proposent des choses, des articles, tu pèses, puis quand ça l'amène sur le site au complet, genre Shein pour le linge, genre Amazon de façon générale, alors que toi, c'était un truc de bureau pratique pour ton travail que tu avais vu, un truc pour le garage, pour les gars, puis là, ça t'amène sur Amazon. Ah ben là, faut que tu cherches le truc que tu as vu. Versus si tu as cliqué dessus, ça rouvre Amazon, puis pouf, l'article est toujours là. La même chose pour un vêtement, tu as vu un top passer, il est super beau, tu cliques dessus, ça rouvre dans l'application, puis tout de suite le top, tu as juste à choisir la grandeur, la couleur, puis enter ou ajouter au panier. Donc, c'est la même chose avec ce que je vais vous dire. C'est très important. Ça commence à être à l'avant-garde, la technologie. Faut que vos clients vous trouvent de façon facile, qu'ils vous retrouvent dans leur téléphone. Puis surtout, s'ils parlent de vous, faut qu'ils vous partagent autant facilement. Ah ouais, ma masso, là, Marc-Claude Légaré, massothérapie sportive, je pense. Va sur Facebook, essaie de la trouver. Vois peut-être dans mes amis. Non, c'est un ou deux clics maximum. Je ne dirai jamais assez. Donc, quand vous avez votre petit BizBook, vous recevez un cadre que vous pouvez mettre sur votre bureau ou accrocher sur votre mur.
Et à l'intérieur, comme vous voyez, il y a une carte électronique, il y a une puce à l'intérieur. Quand vous approchez votre téléphone pour payer chez IGA ou peu importe où, puis ça le détecte tout de suite, il y a une puce à l'intérieur. Donc, c'est la même affaire. Donc, quand vous approchez votre téléphone du cadre, c'est ça qui va se passer. Si, comme mon ancien téléphone, il est trop vieux, quand vous passez le téléphone devant ou que vous le collez, ça fonctionne pas, à moins que des fois ce soit parce qu'il y a un trop gros case de téléphone, vous pouvez ouvrir la caméra et vous pouvez aller justement chercher le code, comme ça ici. Puis, vous allez avoir le lien qui apparaît comme ça ici. Donc là, le lien va apparaître sur votre page Facebook. Vous avez un bouton pour enregistrer le contact. Si la personne a déjà votre numéro de téléphone dans son téléphone avec votre nom, par exemple, nos clients en masso, des fois, ils les ont pour justement, si on les contacte ou on confirme les rendez-vous, vous pouvez faire ajouter à un contact existant. Donc, vous allez avoir maintenant pas juste le numéro de téléphone puis le nom, vous allez avoir le courriel puis le site Internet, c'est ça, c'est la page Facebook qui rouvre. Donc, vous avez un site Internet à enregistrer dans le téléphone de la personne. Sur le site Internet, quand ça rouvre, vous pouvez aller voir le Google, vous pouvez aller voir le Facebook, vous pouvez aller voir la chaîne YouTube, le site Web, laisser un avis quand vous demandez les avis Google. Ben là, la personne, il faut qu'elle embarque sur Google. Il faut qu'elle trouve votre entreprise, qu'elle écrive le nom. Un coup qu'elle est sur votre entreprise, il faut qu'elle recherche l'onglet avis, qu'elle aille dans avis, qu'elle laisse un avis 5 étoiles, puis un commentaire. Tout ça pour rien, pour vous aider. Ou, petit truc, moi, j'offre 5 $ de rabais à chaque personne qui me donne un avis Google ou un avis 5 étoiles sur Facebook aussi. Donc, ça peut être votre cas. Ou, si vous êtes prêt à monter votre prix, vous pouvez augmenter votre prix de 5 $, mais dire que vous laissez encore une séance avec 5 $ de rabais. Donc, au même prix qu'avant, pour pouvoir, en échange, comme ils vous aident, puis vous leur donnez quelque chose. Donc, c'est une seule petite carte, et ça se traîne très, très bien dans votre téléphone. En fait, vous en avez deux cartes, parce qu'il y en a une dans votre carte. Fait que ça, vous la gardez dans votre portefeuille. Fait que partout où est-ce que vous allez, vous avez toujours, toujours, toujours une carte d'affaires sur vous. Puis, c'est une carte d'affaires comme en plastique, un peu comme les cartes de crédit. Donc, des cartes cartonnées, vos cartes d'affaires, des fois dans votre sacoche, dans votre sac, dans votre portefeuille, les coins commencent à tourner et être plus beaux. Pas très professionnel de donner ça. Là, ça scanne, vous évitez d'en racheter tout le temps, vous évitez de devoir, bon, hein, au niveau de la récupération, puis la planète, ben vous en avez juste une, vous faites plus à faire imprimer, donc des dépenses de moins, on sauve la planète. Et ensuite de ça, ben oui, ils peuvent, s'ils cliquent sur le lien directement, amener sur prendre rendez-vous avec vous. Hein? Ça, c'est ma plateforme pour pouvoir booker avec moi. Donc, ils vous retrouvent dans leur téléphone, dans le contact, là, ils payent sur un clic, donc le site Internet Facebook. Puis ensuite, deuxième clic, votre Facebook, votre Google pour un avis, entre autres pour un post que vous avez parlé récemment pour qu'ils vous retrouvent, pour booker en ligne, pour votre site Internet pour trouver votre blog, pour votre chaîne YouTube parce que c'est une vidéo que vous avez parlé. Donc, un à deux clics maximum, facile à trouver, tic, tic, tic. Ils rencontrent quelqu'un, ils vont prendre un café, ils voient un de leurs amis qui est assis dans le restaurant, ils parlent de vous parce que l'autre t'a mal au dos, etc., etc. Ils peuvent même transférer le contact, airdrop, message texte ou ces choses-là. Donc, vous n'avez plus maintenant d'excuses avec le « t'as-tu pris rendez-vous avec moi? T'as-tu repris ton rendez-vous? Oui, 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 je vais faire ça, rendu à la maison. » Là, faut qu'ils vous trouvent. Faut que, où est-ce qu'ils peuvent vous booker en ligne? Ils n'ont pas toujours le lien direct. Donc, carte électronique, Facebook, vous voulez avoir ça. Pas nécessairement pour vendre Facebook ou quoi que ce soit. Moi, j'ai aucune ristourne de ça. Juste parce que j'y crois, mais parce que ça va tellement de pair avec ce que je vous dis. Donc, bref, cette vidéo-là était pour vous inculquer la loi du 1 à 2 clics maximum, la facilité. Tout ce qui est électronique, puis dans la poche tout le temps. Vous avez juste tout le temps votre téléphone avec vous. Vous partez. Vous pouvez oublier votre chien, mais pas votre téléphone. Donc, d'habitude, on sort de la maison, c'est clé, téléphone. Hein? Donc, voilà. Fait que 1 à 2 clics maximum. Arrangez-vous, si c'est pas avec Facebook, que ce soit n'importe quoi, mais vous voulez que votre client ait 1 à 2 clics pour vous joindre de la manière qu'ils veulent partout où est-ce que vous êtes sur Internet de la façon la plus facile. Donc,
Je vous reviens avec d'autres capsules, je vous reviens avec d'autres trucs. Si vous avez besoin de coaching, si vous êtes intéressé à faire évaluer votre business, savoir qu'est-ce que j'ai à vous offrir, combien ça coûte avec moi en privé, etc. info@massothérapiesportives.ca. Écrivez-moi un petit courriel, je veux faire évaluer ma business, je suis intéressée au coaching privé avec toi, puis on s'en reparle de ça. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, petit pouce, petit commentaire, taguez vos amis, invitez vos amis dans le groupe, on n'est pas encore tant que ça. Je vais en faire profiter au maximum à tout le monde. Puis suivez-moi sur Facebook, Instagram, ma chaîne YouTube justement. Dans les commentaires, puis dans le titre du vidéo, je vais mettre mon lien de Facebook, qui en fait est mon lien où est-ce que toutes mes coordonnées, tous mes réseaux sociaux, c'est ça que je vous conseille d'avoir, peu importe quelle façon. Bonne journée tout le monde, j'espère que vous avez apprécié.